j'avais ce caractère fort et je suis une meneuse et j'ai beaucoup de facilité dans les stratégies. Pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, je me vois bien faire cette aventure avec eux. J'ai pas trop réfléchi pour savoir avec qui j'allais la faire. On vient du même milieu, on a le même état d'esprit et tout, donc voilà, tous lutteurs, donc. On a cet esprit sport. Voilà, esprit sportif et tout. Voilà, donc quand nous, elle nous a proposé de le faire, on n'a pas hésité. En plus, voilà, une aventure comme ça, on est un peu aventureux aussi, nous, très sportifs. Notre principal atout, clairement, c'est le physique, c'est le sport, c'est cet esprit sportif. Moi, j'ai plus été dans la stratégie, quoi. Pour eux, ils étaient un peu perdus quand ils disaient stratégie. Quand ils aimaient quelqu'un, ils aimaient vraiment quelqu'un et ils en oubliaient totalement la stratégie. Pas mal de personnes les ont comparés à des gros nounours, quoi. C'est du muscle et tout ça, mais avec un grand cœur. La team Freud Strip, elle est bien. Elle est bien. Hein, Mallory et tout, ils sont bien. Ouais. Ils ont l'air bien, quoi. Ouais. En fait, c'est nos rivaux, si tu veux. C'est les seuls qui peuvent nous tenir tête, ouais. niveau des épreuves, ouais. Niveau sport. Après, ouais, pour le reste, je m'inquiète pas. C'est une très très belle aventure humaine. On a eu des coups de cœur. Il y en a, c'était comme une évidence. D'autres beaucoup moins. Pour ma part, ça a été vraiment difficile de vivre avec des nanas un peu bimbo comme Emilia. Moi, ça a été vraiment le choc des cultures. Ça a été vraiment un choc pour moi de vivre avec ces gens-là qui ont ce fort besoin d'exister face caméra, par exemple. Ouais. Je veux dire, c'était vraiment du show. Sur l'île, sur l'aventure, Koh Lanta, c'est un truc de malade. C'est physique, c'est galère de fou. C'est très, très difficile, Koh Lanta. Alors par contre, là où j'ai eu vraiment des difficultés dans Friends Trip, c'est niveau mental. Parce que dans Friends Trip, tu ne fais pas une aventure tout seul, tu fais une aventure à trois. Ça veut dire que tu dois constamment faire attention à ce que dit ton équipe, à ce que tu fais, surtout quand tu es capitaine. Je sais qu'il y a un All-Star qui se prépare, donc moi j'ai toujours mon âme de guerrière et de compétitrice. Donc moi, si tu me proposes ce genre d'émission, moi je dis pas non, hein.